Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce matin. Nous allons parler ici de la data literacy, hein, ou la culture des données, pour faire aussi un autre mot. Je suis donc Jean-Marie Bourgogne, délégué général Two Point Data France. On a préparé cette session avec Sarah Medjek, qui se présente, qui interviendra dans la journée, dans cette matinée. Je présenterai tour à tour les différents interlocuteurs que je remercie déjà d'être venus aujourd'hui à la première heure au Palais de la Bourse. Je vais directement passer sur la slide suivante, si tu es d'accord, puisque je voulais commencer par d'abord pour une question, pour vous faire un petit peu réfléchir, réagir. 97, ce chiffre-là, vous dit quoi? Voilà. C'est un petit peu réfléchir dans votre fort intérieur. Et puis, on va pas faire trop vous faire durer le suspense, on va passer à la suivante. Il s'agit de 97 zettabytes. Zettabytes, c'est 21 zéros à la suite. 97 zettabytes, vous voyez, ça fait un chiffre assez extraordinaire. En fait, si on le transformait en CD-ROM, on pourrait empiler des colonnes de CD-ROM pour faire 5 fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Et ça, c'est la production de données en 2022. Certains observateurs ont dit qu'en quelques jours, deux jours aujourd'hui, on arrive à produire autant d'informations que depuis le début de l'humanité jusqu'au début du 21e siècle. Donc ce sont des données qui sont vraiment colossales. Alors ça, c'est notre situation aujourd'hui en 2022-2023, mais d'où remonte cette question de la donnée? En fait, on s'est aperçu que les premières traces de l'écriture humaine, ce sont les tablettes sumériennes, il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà des données. En fait, c'était pas de la littérature, c'était pas des contes épiques, c'était déjà des relevés agricoles de nombre, kilos, nombre de têtes. Et donc, la donnée est déjà dans la culture humaine depuis le début des temps. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Alors, on a quand même beaucoup changé aujourd'hui. En fait, on est passé à quelque chose qui est absolument colossal, vous le voyez. Chaque minute, on produit 6 millions de recherches de Google, 230 millions de mails, 500 heures de vidéos YouTube, 440 000 dollars de commandes sur Amazon. J'en passe, des dizaines de millions de photos. Donc, cette production de données, elle touche notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie intime. On partage des images, des informations, nos comptes en banque, etc. Et on arrive dans un monde que certains d'ailleurs appellent la datafication, en fait, où en fait notre ensemble de vie en fait est tracé par des données. Alors dans ce contexte-là, il est vraiment important qu'on reprenne un petit peu le contrôle de ce qui se passe, qu'on sache un petit peu comment utiliser ces données, voire comment les protéger. Et c'est ce qu'on va essayer de demander aujourd'hui aux experts qui sont autour de la table. Au fond, depuis très longtemps, ce travail intéresse les chercheurs, les activistes, les experts, les députés, les ministres font des rapports, tweets sur l'importance de la donnée, qu'on appelle la compétence du 21e siècle. Alors on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne avec les experts. Le premier constat qu'on fait, c'est que il y a des dizaines d'années de travaux autour de ces sujets-là et qu'on n'a pas complètement trouvé la façon de répandre les compétences autour de la donnée. Et on va se poser la question ce matin, pourquoi en fait on n'y est pas tout à fait arrivé. Alors, pour essayer de recontextualiser cette question de la data literacy, on va demander à quelques experts, observateurs, chercheurs de nous donner leur avis. Et la première façon de commencer cette présentation, c'est au fond, en passant à chacun de vous que je vais présenter, si vous voulez bien, vous demander en fait, qu'est-ce que c'est pour vous la data literacy? Est-ce que vous avez une définition à nous proposer? Je vais commencer par Pauline Gourlet, qui est chercheuse à Media Lab de Sciences Po, que vous avez cofondé le collectif designer, l'atelier de chercheurs. Et vous intéressez à cette question de la culture numérique depuis très longtemps, il y a appropriation. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est la data literacy? Merci. Alors je vais peut-être préciser d'où je parle pour répondre à cette question d'ailleurs. C'est qu'en effet, dans le collectif de l'atelier des chercheurs, qui est un collectif de design, on a pu travailler énormément dans le contexte éducatif. Mais j'ai aussi par ailleurs travaillé par exemple à l'ONU. Donc j'ai un peu vu les deux bouts du spectre, des tout petits aux très grands, sur cette question de la donnée, toujours en essayant de voir de quelle manière on pouvait changer et travailler à de meilleures pratiques par rapport à la donnée.
Et donc moi, j'aimerais vous proposer un changement de focale, en fait, de pas se focaliser uniquement sur la question de la donnée, mais de s'intéresser à son travail. C'est-à-dire qu'en fait, les données, il y a une formule un peu qui fait mouche et qu'on retient facilement, c'est de dire qu'elles portent mal leur nom. En fait, ce ne sont pas des données, ce sont des obtenues, on pourrait dire. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont produites, qu'elles circulent, qu'elles sont transformées. Donc, il y a toute une chaîne par laquelle la donnée passe. Et qui donc, du coup, nous débarrasse un petit peu aussi de du côté un peu surplombant de la question de l'objectivité. Et donc, de s'intéresser à cette question de la donnée depuis les pratiques de travail, depuis les situations dans lesquelles elles sont produites, avec un regard sur les opérations et les gestes qui permettent de la produire, permet notamment de mieux comprendre comment s'organisent notamment des rapports sociaux, en fait, du fait de la production de cette donnée, et comment s'organisent des rapports de pouvoir aussi. Donc, moi, je vous proposerais bien une approche un peu critique sur la question de la donnée, pour, voilà, que, si on parle de compétences et d'éducation à la donnée, de bien saisir que ce qui est en jeu, c'est quand même de retrouver aussi une question de sens. J'aime bien le mot sens parce qu'il est, en fait, polysémique. Il a trois sens. Donc le premier, évidemment, la compréhension. Hein, qu'est-ce que le sens de ces données? Le deuxième, c'est la question de la direction. Donc, quelle est la vision et le projet politique, si on parle de rapports sociaux et de rapports de pouvoir, qui sont portés par la production de ces données? Et il y a aussi la question de l'expérience sensible, qui, bien souvent, dans le cas de la donnée numérique, est complètement invisibilisée. Et donc, j'avais choisi quelques exemples. Je ne vais pas tous les commenter, mais pour voilà, faire bien saisir qu'est-ce qui peut être en jeu dans les situations de production. En l'occurrence, peut-être pour en commenter quelques-uns quand même, un qui m'a beaucoup surpris, moi, dans mes recherches, c'est quand j'ai découvert que les premiers suivis de travail de personnes avaient été notamment faits dans les plantations. Il y avait eu des livres de contes qui ont changé la nature du travail et qui ont commencé ce qu'on pourrait appeler le management du travail aujourd'hui, dans les plantations américaines, donc sur les esclaves, avec une compréhension et un meilleur du coup suivi de la production, notamment des champs de coton, à partir donc d'un relevé systématique et donc d'une notation chiffrée de la quantité produite, etc. Donc cet exemple est évidemment assez parlant quand on parle de rapport de pouvoir, mais je pense que dans bien des cas, même des cas qui paraissent anodins, c'est intéressant de reposer la question de à quoi servent les données, à qui elles servent, comment elles sont produites, quels corps sont mis en jeu, et voilà, de focaliser un petit peu là-dessus. Comme on a tous décidé d'être assez court, je crois que je vais voilà, vous laisser imaginer peut-être pour les autres, mais voilà, repenser la place donc du corps, des visées politiques de la production de ces données. Merci beaucoup. Tu as tenu parfaitement le planning, le timing. Je te remercie beaucoup. Alors, on va donner la parole à Françoise de Thor. Alors, il était prévu que vous interveniez à deux avec Julie Tessèdre, qui est absente aujourd'hui, souffrante, en fait. Donc, Françoise de Thor, avec qui on a beaucoup le temps de discuter hier, en fait, sur ce sujet de l'acculturation à la donnée. Vous êtes maître de conférences en informatique et chercheuse en didactique à l'ENS, Paris-Saclay, et vous êtes conceptrice des contenus au sein de PIX. Alors, je vous pose la même question, quelle est ta définition de la data literacy? Oui, bonjour, merci. Alors moi, je vais même aujourd'hui répondre à la question en présentant plutôt un point de vue particulier, qui est le point de vue de PIX sur ces questions. Donc PIX adopte une approche par compétence. Tu peux redire ce que c'est PIX? Oui, bien sûr. désolé. PIX, c'est donc une plateforme en ligne qui a pour objectif de certifier les compétences numériques de toutes les citoyennes et tous les citoyens. Et c'est un service public, un groupe d'intérêt public. Quand vous allez sur la plateforme PIX, eh bien, vous pouvez jouer ce qu'on appelle, nous, des épreuves assez plus ou moins courtes, et ce sont des épreuves qui vous sont propulsées par un algorithme qui fait un peu monter le niveau jusqu'à vous challenger un petit peu, mais ça commence à des niveaux très très novices, on va dire. C'est une approche par compétences. Alors PIX s'appuie sur le DIGCOMP, qui est donc un cadre européen, qui propose une
découpe des domaines de compétences numériques, donc on pourrait dire de la littératie numérique, en 5 grands domaines. Et le premier domaine s'intitule « Information and Data Literacy ». Et donc, voilà, on a vraiment ce terme-là, où il est question de mener une recherche, évaluer la pertinence d'une info, gérer des données, traiter des données, voilà, les compétences, on va dire, ou les sous-domaines de ce premier domaine. Alors, chez PIX, on est cadré par cette proposition-là, et on propose ensuite un référentiel beaucoup plus opératoire qui nous permet de créer des épreuves et de proposer des questions. On est toujours sur des savoirs, des savoir-faire et des compréhensions des enjeux. Et ce qui est intéressant chez PIX, c'est que pour mettre en œuvre des épreuves qui ont une évaluation automatique, et vous proposez une réponse et c'est bon, c'est pas bon, on s'est rendu compte qu'on est allé peut-être vers une vision que j'appellerais un petit peu usage des outils, un peu orienté par les technologies vraiment qui sont à notre disposition pour traiter des données. Et donc voilà. Et donc chez PIX, je pense que on pourrait nous dire, mais en fait, tout est littératie des données. Mais on pourrait aussi dire, mais il y a en particulier ce que vous faites dans ce domaine 1, qui est sur faire de la recherche, identifier des fausses infos, quels sont les enjeux des données perso, comment manipule-t-on des données structurées. Voilà, on pourrait dire, c'est plutôt ça ce qui va faire œuvre de data littérature. Enfin, permettre de développer la data literacy. Et ce qui est intéressant aussi chez PIX, c'est que on a une autre partie qui s'appelle les PIX Plus, où on peut penser un référentiel qui va être plus orienté vers des métiers. Et là, nous sommes en train de développer un PIX Plus données de la sphère publique. Donc, c'est soutenu par le ministère de la Transition écologique et l'ANCT, ce projet. Et là, on va redéfinir, je pense, quelque chose d'encore plus précis sur la data literacy, qui est celle des agents publics lorsqu'ils sont confrontés au fait de collecter de la donnée et faire un construit, entièrement d'accord avec cette vision, et puis aussi de partager de la donnée. Voilà, et là, on a des choses qui sont plus orientées, on va dire, métier. Donc voilà la réponse que je referai, qui est une réponse un peu plus opératoire de ce que où est la data literacy. D'accord, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous essayez de retravailler les compétences, en fait, oui, qui sont concernées quand ce terme... Voilà. On va y revenir. Je vais donner la parole à Sarah Bédiac, alors que je vais tutoyer parce qu'on est aussi collègues de travail dans le même bureau. Mais donc, Sarah, tu es chef de projet au sein d'Open Data France, en charge du projet Culture D, qui s'intéresse à la création de parcours d'acculturation aux données. Alors, dans ton point de vue sur la data literacy, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Peut-être je rappelle ce que c'est qu'Open Data France, au passage. C'est une association qui accompagne les collectivités territoriales dans l'ouverture et la valorisation de leurs données. Et parmi les projets qu'on a menés entre 2022 et 2023, on s'est intéressé effectivement à la monter en compétence sur le sujet des données à travers le projet Culture D. Et en fait, dans ce projet, alors je vais peut-être... Ah pardon, j'ai oublié de passer... excuse-moi. En fait, dans ce projet, on essaie plutôt de parler de culture des données et pas que de littératie des données. En fait, c'est parti de recherche qu'on a fait au début du projet. Et finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait différents termes pour exprimer cette montée en compétence sur les données, dont on parlait beaucoup de data literacy, littératie des données. Il y a aussi beaucoup d'autres termes dans la culture des données. Et finalement, on s'est dit que c'était ce qui se rapprochait le plus de notre intention, c'est-à-dire pas uniquement faire monter en compétences, former des experts, etc., mais c'était plutôt vraiment sensibiliser différents publics au sujet de la donnée. Par exemple, il y a des chercheurs qui effectivement parlent de culture de la donnée en partant du principe que c'est
plus englobant que la data literacy, où ça va aussi, par exemple, contenir des éléments de, par exemple, de valeurs partagées, de langage partagé, etc. Et effectivement, quand on a lancé le projet, on a organisé une journée où on a un peu essayé, en fait, de, comment dire, d'enrichir le terrain avec, d'ailleurs, je ne sais pas si le mot existe, mais bon, vous m'avez compris, avec les participants. Et on leur a en fait demandé ce qui, selon eux, relèverait de la culture des données. En fait, on a fait un exercice où on a essayé de déterminer de manière générale ce qui relève de la culture et ce qu'on pourrait transposer finalement à la culture des données. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, il y avait un besoin, en quelque sorte, d'avoir une vision partagée de comment on collecte les données, comment est-ce que on les rend utiles pour les différents publics. Des valeurs aussi partagées, par exemple d'ouverture, de transparence, d'éthique, de responsabilité. Et effectivement, on s'est rendu compte que les futurs apprenants qu'on avait invités avaient également en tête ces enjeux, c'est-à-dire que il y avait une dimension de, enfin, qui allait un peu plus loin que ce qu'on pourrait définir de savoir-faire. Il y avait des choses qui n'étaient pas que de l'ordre du savoir-faire, qu'ils souhaitaient aussi acquérir. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a créé, on travaille actuellement sur un parcours qui est dédié aux agents métiers des collectivités territoriales. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de répartir ce parcours en deux parties. D'avoir une partie qu'on pourrait appeler culture, c'est-à-dire vraiment des choses qui relèvent de définir ce que c'est qu'une donnée, quels sont les enjeux autour des données, avoir un regard un peu artistique aussi autour des données, ou en tout cas montrer qu'aujourd'hui, les données, c'est un matériel, un matériau dont plusieurs artistes en fait s'emparent pour faire des œuvres artistiques finalement qui sont vraiment très différentes. On a vu par exemple avec Albertine Meunier qui fait en fait des pièces à partir de données de likes sur Facebook, des artistes designers comme Sylvia Fredrickson qui travaille avec ses étudiants pour en faire des sculptures, d'autres artistes un peu plus internationaux qui en font de la musique, etc. Et donc c'est vraiment à cette, on va dire, approche plus culturelle de la donnée qu'on a essayé finalement de s'intéresser et qu'on espère pouvoir intégrer dans ce parcours sur lequel on travaille. Merci beaucoup. Donc je comprends, culture D, c'est un clin d'œil à culture G, en fait, la culture générale qu'on connaît tous. Mais là, on va le faire sur la donnée. Alors je donne la parole à, alors vous connaissez tous Christophe Doré, puisqu'en fait c'est aussi la puissance quasiment invitante depuis ces deux jours. Christophe, tu es chargé de projet au sein de Fréquence École et tu animes et encadres les sessions centrées sur de la recherche d'informations sur Internet, les réseaux sociaux, le traitement journalistique de l'information. Alors même question pour toi, ça serait quoi la définition de la data literacy? Bonjour. Alors la data literacy, je vais préparer une définition très littérale. Donc la data literacy, le point de départ, c'est la capacité à lire et interpréter des données, comprendre des données et imaginer, savoir ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est la définition de base. A priori, à l'heure actuelle, tout le monde produit des données, mais tout le monde ne sera pas amené à les exploiter. Donc je rajoute, on va dire, un codicille à cette définition, c'est surtout la capacité à comprendre ce que d'autres peuvent en faire, ce qu'est une donnée et ce que d'autres peuvent en faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette définition derrière moi. Oui, éduquer aux données, c'est aider nos publics à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et dans ce cadre-là, la data literacy est une condition nécessaire, mais non suffisante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important de comprendre ce que sont les données, c'est important de comprendre comment on peut les exploiter, ce qu'on peut en faire, mais pour vraiment imaginer ce qu'on peut en faire, il faut un peu plus que la data
literacy. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà. Et c'est notamment ce qu'on fait nous avec les collégiens avec cette activité qui s'appelle YouTube Data. C'est très, c'est relativement simple. Hein. Des cartes. Chaque carte figure un clip sur YouTube. On les étale sur une carte, sur une table. On en retourne trois et on demande aux participants d'incarner l'algorithme de recommandation de YouTube en trouvant quelle sera la vidéo qui sera proposée ensuite. Si j'ai regardé ça, ça et ça, laquelle vient après? En général, on les laisse un peu galérer et l'idée, c'est qu'ils peuvent utiliser trois jeux de données pour définir la vidéo qui viendra ensuite. Les hashtags qui définissent l'artiste, le type de contenu, etc. L'historique et l'algorithme. Le nombre de vues. Et ce qu'on constate, c'est que qu'un cas, ils trouvent et à la fin, ils arrivent au nombre de vues, qui est effectivement le critère qui va permettre de trancher en général entre les cartes qui restent sur la table. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils arrivent au nombre de vues, on leur pose la question, ok, vous proposez la carte qui a le plus de vues, et vous avez raison, c'est ce que ferait YouTube, mais pourquoi? Pourquoi celui qui a le plus de vues? Il y a toujours un gamin à un moment qui dit, oui, c'est vrai, on pourrait plutôt valoriser les vidéos qui ont le moins de vues, pour les aider, pour leur faire gagner de la visibilité. Et là, on arrive à la fin de la data literacy et au domaine économique. Pourquoi YouTube a besoin de mettre en avant la vidéo qui a le plus de vues? Parce qu'elle a le plus de chances de plaire. Si elle a le plus de chances de plaire, ça a plus de chances de garder les gens en ligne. Et s'ils sont en ligne, ils consomment de la pub. Hop, modèle économique. Donc, la data literacy, indispensable, mais pas encore suffisant pour réellement comprendre le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup. Bon, alors c'est intéressant que en fait, vous vous intéressez aux enfants. Et justement, on va te poser la question à Philippe Arguelos. Tu es administrateur ministériel de la donnée et des codes sources au ministère de l'Éducation nationale. Ça va. Et vous mettez en place beaucoup d'initiatives autour de l'appropriation de la donnée. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi, ta littératie? Alors, pour ceux qui étaient présents dès le début de cette masterclass, vous avez vu la complexité et la richesse aussi des réflexions autour de la culture de la donnée. Je vais essayer de parler français en fait. Mais c'est important parce que justement, on s'adresse à des gens qui connaissent pas. Et la première chose, c'est d'être clair dans l'explication. Et même quand on francise une partie de nos propos, ça ne veut pas dire qu'on l'a ni rendu simple, ni simplifié, ni rendu compréhensible notre démarche. Et donc justement, quand on a cette richesse de réflexion autour de la donnée et de la culture à donner, les scientifiques, chercheurs, ici en France ou à l'étranger, les associations, et puis les différents points de vue, on s'aperçoit que même si dans les programmes scolaires il existe déjà des cursus, des curricula sur la donnée, ces curricula s'adressent souvent déjà à des adolescents. Or, une étude récente de la CNIL a montré que les premières inscriptions aux réseaux sociaux, c'est 8 ans. Et donc, nous, on n'est pas parti sur quelque chose sur la définition en tant que telle de la culture de la donnée, mais notre but. Qu'est-ce qu'on voulait? Quel sens? On a parlé de sens, d'une démarche téléologique, de savoir ce qu'on voulait absolument atteindre. Ben, nous, c'est préparer, en fait, dès le plus jeune âge, le citoyen en devenir, un citoyen actif, avec un esprit critique, et doté d'un libre arbitre. Non, pour les exemples, ce sera pour après. Je vais garder la définition, ça sera un peu le teasing. Et dans ce cadre-là, on a fait pas mal de choses. D'abord, on a incarné la donnée. Donc, c'est très présomptueux de ma part, mais en fait, moi, j'incarne la donnée au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est avec tout la modestie que je peux aussi apporter dans cette déclaration. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'administration des données, c'était pas une réalité au ministère. Tout le monde en faisait, mais il n'y avait pas de politique de la donnée. Donc, le gouvernement a décidé en 2021, au printemps 2021, de doter chaque ministère d'administrateur ministériel des données. Et quand, pour l'Éducation nationale, puisque chacun a sa politique, on s'est aperçu qu'il y avait une telle
disparité sur la connaissance de la donnée et ce qu'on pouvait y mettre, les imaginaires que ça charriait. Vous avez parlé des 97 zettabytes de voilà. Et en fait, mais qu'est-ce qu'on en fait quoi ? On en fait quoi ? À quoi ça sert ? Et puis quand on évoque la donnée aux jeunes enfants, là on est dans un autre imaginaire. D'abord, quand on parlait des tablettes sumériennes, il y avait une action volontaire de la personne d'écrire. Et pour un but, il y avait déjà aussi des poèmes, mais il y avait aussi savoir combien de sacs de blé on avait envoyé à tel... Bon, là, il y a une différence, parce que pour vous, on est dans un milieu qui est... On est un peu dans un entre-soi qui fait qu'on sait tout ça. Mais un enfant, il ne sait pas que quand il va agir sur les réseaux sociaux, il va laisser des traces, ou quand il va utiliser des outils numériques... même ceux de data dire la data, il va laisser des traces. Et ça, il faut l'expliquer. Donc il faut créer d'autres imaginaires, il faut amener cet élève, ce citoyen en devenir, dans une compétence qui lui permettra d'abord d'être non exclu d'un monde numérique, parce que c'est ça aussi, il faut préparer, il y a une responsabilité d'intégrer ces populations, ces futures générations dans un monde de plus en plus numérique. Et puis, il faut aussi les préparer à savoir, à écrire leur histoire. Parce que la data, c'est intéressant de parler des tablettes sumériennes, l'information, c'est quelque chose qui, quelque part, va parler de nous. Mais en fin de compte, cette démarche, comme elle est parfois volontaire, parfois non volontaire, parfois volontaire, mais est-ce qu'on est vraiment dans un libre arbitre quand on est guidé par des algorithmes qui, quelque part, nous envoient toujours les mêmes informations, celles qu'on veut entendre, qui nous rassurent ? Est-ce que cette histoire qu'on écrit, est-ce que c'est bien l'histoire qu'on écrit nous-mêmes ? Eh ben ça, c'est la réflexion qu'on veut amener au ministère de l'Éducation nationale avec des actions dès le plus jeune âge pour permettre à l'enfant et aux citoyens en devenir d'écrire son histoire et son histoire numérique, ce qui n'avait pas été pensé avant. Donc on le fait avec des labos de recherche, avec des associations, avec tout le monde, et puis avec les enseignants. Parce que c'est aussi les premiers à amener l'enfant en devenir, à être un citoyen et accompli dans un monde numérique, aussi numérique. Bien, merci, je crois que c'est très clair. Alors, beaucoup de gens y réfléchissent, je le disais tout à l'heure, et on a le sentiment que en fait, tous ces dispositifs d'acculturation, d'accompagnement pédagogique, les enfants, les adultes, les de la fonction publique, par exemple, que ça n'a pas bien pris, en fait, ce travail-là. Donc, je voudrais revenir sur la question de ce défi. Au fond, pour vous, alors on va en faire un peu le tour, pas dans le même sens, mais en fait, on va vous donner la parole à chacun de vous quatre. Quels sont les défis de la littératie ? Pourquoi ce marché ? On verra après. Qu'est-ce qu'on pourrait projeter ? Et donc, ça sera la troisième séquence. Alors, on va commencer par Christophe. Je crois que tu as une question autour de la technicité qui peut être un frein. Je te laisse t'exprimer. Oui, effectivement, quand on a préparé à cette question, le premier frein, et il n'est pas propre qu'aux données, c'est la perception que c'est quelque chose de compliqué, que c'est quelque chose pour les spécialistes. Et il y a des... si vous travaillez avec les jeunes, vous savez qu'il y a des profils, il y en a qui vont instinctivement avoir envie de se sentir compétent dans certains domaines et d'autres qui n'imaginent même pas pouvoir s'orienter vers ça. Donc c'est effectivement ce que nous on voit. Après, il y a la partie anglicisme. Là, on parle de données, mais on parle de data. Et en fait, en fonction du terme qu'on utilise, c'est vrai que ça ne le connote pas exactement de la même façon. Et puis, il y a aussi un enjeu pour les spécialistes des données à bien laisser entendre que c'est un truc qui est trop compliqué pour que le Pékin moyen puisse s'y retrouver. Hein, parce que tant que c'est compliqué, ça veut dire que lui, il a une vraie valeur ajoutée. Donc, la réalité de la complexité de comprendre ce que c'est qu'une donnée, ce qu'on peut en faire, la data literacy, la volonté des professionnels qui les utilisent notamment à des fins
plans marketing de garder ça un petit peu nébuleux, à la fois pour que le consommateur reste tranquille et pour que l'annonceur continue à faire appel au service. Ça fait pas mal de choses qui, de mon point de vue, sont des premiers freins, mais c'est des freins qui tombent quand on commence vraiment à aller dans le concret. Le petit jeu de cartes que je vous ai présenté, après, les gamins, ils comprennent ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'un algorithme, et on peut envisager d'aller un peu plus loin. Donc d'abord, faire tomber ce vernis de complexité qui, à mon avis, est quand même parfois entretenu exprès. Et puis voir différents types de données sous différentes formes. Rappeler aussi que la donnée, ça n'est pas que numérique. À l'heure actuelle, quand on parle de données, on pense beaucoup à des 0 et des 1. On pense à des choses sur des data centers, mais... Et ça, c'est souvent des profs qui nous disent, mais on n'a pas le RGPD, ça s'applique aussi à du papier, vous savez, les fiches de renseignement qui sont remplies au début de l'année, c'est aussi de la donnée. Donc je me suis lancé dans un cul-de-sac, là, je crois. Donc, on va dire que, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Merci, Christophe. Bon, si tu as un remords, tu reviens juste après. Bon, alors, vous donnez la parole, donc, en fait, à Françoise. Alors, c'est une affaire d'experts, et même, est-ce qu'on est d'accord tout à fait sur le sujet, en fait? Oui, en fait, moi, quand on a un peu préparé et qu'on s'est posé la question, mais finalement, pourquoi ça prend pas? Moi, il y a trois choses qui sont venues à mon esprit. Bon, la première, c'est que c'est effectivement au départ, je pense que ça embarque quand même un peu de technicité de travailler avec les données, et ça fait peur. Je vais reprendre cette idée, mais je dis juste mes deux autres idées aussi que j'espère avoir le temps de reprendre. Ma deuxième idée, c'est que on l'a vu avec le premier tour de table, on a quand même, je pense, des points de vue un peu différents qui font que au final, on n'a peut-être pas tous tout à fait la même définition et les mêmes contourages de ce qu'il y a dedans. Et je voudrais donner quelques éléments sur ça. Et le dernier élément, je suis chercheuse en sciences de l'éducation, donc j'étudie depuis de longues années l'usage des technologies numériques et maintenant la question de l'éducation aux données à l'école. Et du fait de ce qu'on a dit, technicité, définition peu partagée, à l'école, c'est un peu compliqué. J'aimerais aussi vous donner un petit peu d'éléments. Donc, sur la technicité, juste l'expérience qu'on a chez PIX. Alors, en particulier, cette fameuse compétence qui s'appelle traiter des données. Eh ben, en fait, quand vous y allez, au début, c'est sympa. On a des petites manettes, là, pour trier, extraire. Puis, au bout d'un moment, on se retrouve avec des fichiers à télécharger qu'il faut aller ouvrir sur un tableur dans R pour extraire de l'information. Et là, on voit bien que ça prend pas trop, que c'est des questions que les gens aiment pas, elles sont longues, c'est compliqué, c'est technique. Et en effet, le tableur, qui est un peu l'outil que nous on choisit, parce que c'est censé être un truc un peu plus no code que d'autres, un peu plus clé en main, ben en fait, c'est pas du tout no code, c'est hyper complexe. Et voilà, donc ça, c'est, il n'y a pas d'utilisation perso, en fait, du tableur, c'est plutôt des utilisations métiers, même si dans les métiers, on aimerait bien que les gens utilisent autre chose. Bon, voilà. Et pourtant, ces éléments de technicité, bon, moi, j'ai la vision aussi enseignante en informatique et je me dis, mais moi, j'aimerais former tout le monde à ça parce qu'il faut la dépasser, cette question et cette peur. Parce que quand on fait soi-même, qu'on extrait vraiment de l'information à partir de données brutes, hein, je crois que sur ça, ben, on voit ce que ça veut dire. On voit comment, en croisant des données, on retrouve une nouvelle information, comment on peut construire. Donc, je pense quand même que être amené à vraiment aller dans des données structurées et faire des constructions un peu compliquées avec, faire des graphiques et tout, bon, ça aide à comprendre et à pas rester à la surface de discours qu'on va avoir sur faut un peu alarmiste, faut surtout pas donner ces données parce que là, ou bon, laissez faire les experts, vous allez voir, le truc va fonctionner, tout. Bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Du coup, je voulais aussi aller sur l'idée de la définition, cette histoire d'une définition partagée. On l'entend, hein, culture des données, littératie des données. Moi-même, je parle d'éducation aux données, parce que je me pose la question d'un curriculum sur ces questions-là. En fait, l'expérience à PIX, j'y reviens, c'est que il y a certains attracteurs, dès qu'on fait ces questions-là, la culture de la donnée, et des gros attracteurs. Il y en a un, c'est l'information et les médias. Et donc ça, voilà, ça c'est un attracteur, toutes les questions qui sont pas mal traitées, par exemple à l'école, par le MI.
Bon, mais c'est un certain attracteur où il y a un peu moins de technicité, un peu plus de voilà de. Il y a un autre attracteur énorme, c'est Mathestat. Hier, on a fait un atelier sur Pix Plus données. L'un des participants de l'atelier a dit oh, il faut absolument que les gens ils comprennent la différence entre l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique pour pouvoir faire une représentation graphique et pas se faire avoir. Bah ouais, en effet. Bon, alors à Pix, on va pas faire une question sur ça directement. Là, on est voilà. Et l'autre attracteur, c'est les sciences informatiques. Comment ces technologies fonctionnent? L'algorithme, c'est quoi? Et du coup, les IA, comment elles arrivent à faire? Voilà. Donc ça, c'est des gros attracteurs. Et ben, tous ces attracteurs-là, à l'école, c'est problématique. Quand on veut construire un curriculum, c'est problématique parce que c'est des disciplines différentes, c'est censé être transdisciplinaire, et ça, c'est difficile parce que quand plusieurs personnes à l'école devraient être responsables, ben finalement, l'école n'est pas très organisée pour le transdisciplinaire, faut être honnête. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole à Sarah sur ce point-là, parce que elle travaille aussi de concert avec Pix. Et comment tu vois les défis de la data literacy et la transformation que l'on peut avoir? Oui, en fait, dans le programme Culture D, on s'est intéressé à un public qui est un peu différent peut-être de ce que viennent d'évoquer notamment Christophe et Philippe. Donc nous, on avait plus, on a beaucoup échangé avec des agents, des collectivités territoriales, et en fait, on a effectivement essayé un peu de comprendre ce qui jusqu'à maintenant les a freinés dans leur démarche d'acculturation aux données. Et ce qui ressortait aussi, en plus de ce qui vient d'être dit, la dimension technique, etc., c'est peut-être la démarche individuelle, c'est-à-dire que d'aborder l'acculturation à la donnée individuellement, en se formant seul, c'était un gros frein. Et donc, ils étaient vraiment en demande d'une approche beaucoup plus collective qui les amène à rencontrer des pairs qui ont peut-être les mêmes questions, qui ont les mêmes défis, et donc il y avait vraiment cette demande de peut-être mettre en place un parcours, ou en tout cas des briques dans le parcours qui les amènent à rencontrer d'autres personnes, qui les amènent à échanger avec d'autres personnes et à vraiment à former un collectif. Et donc, on leur a fait un peu faire le jeu d'essayer d'imaginer eux-mêmes à quoi pourrait ressembler un parcours. Et en fait, dans cet exercice-là, ils ont intégré finalement plein de moments où ils étaient amenés à être avec d'autres, par exemple à participer à des événements, à s'inscrire à des réseaux, à faire partie de communautés, ou même ce qui est par exemple ressorti, c'est des exercices comme les cartes aux parties. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, les cartes aux parties, c'est une modalité d'animation qui a été mise en place par la communauté OpenStreetMap. Et en fait, on regroupe un certain nombre de personnes, et en fait, on fait l'exercice de produire des données avec eux sur une thématique en général. Et donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, parmi les différents dispositifs qu'on leur avait présentés, c'est quelque chose qui avait vraiment attiré leur attention, parce que en fait c'est très concret, ça leur fait produire des données, ça leur montre en fait quel type de données peuvent être produites, pour quelle utilité aussi, cette dimension d'intérêt général, et aussi bah du coup voilà, c'est le moment de rencontrer des personnes, de produire les données en commun, et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti, je dirais. Merci beaucoup de ça. Donc beaucoup d'animation, hein, et pas que des dispositifs. Alors Philippe, justement vis-à-vis de l'acculturation de la société, toi tu t'adaptes. Ouais. Est-ce que tu peux pas parler s'il te plaît? La question initiale c'était pourquoi ça la culture de la donnée n'est pas passée. C'est pas parce que justement on doit en fait couvrir plusieurs besoins. D'abord faire une généralisation de l'explication de ce que c'est la donnée, et aussi ne pas rendre simplistes les choses, et expliquer qu'il y a une nécessité de rentrer dans une complexité qui ne peut pas exclure la technologie et les mathématiques. Et donc ça c'est compliqué, parce que on a fait croire à beaucoup de monde que les maths. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, quand on vous dit ah mais je suis nul en maths,
Bah, je suis nul en maths. C'est presque une revendication. Ah, je suis nul en maths. Ah ouais, c'est normal. En fin de compte, tout ce qu'on fait là, c'est des mathématiques. Les algorithmes, c'est des mathématiques. Et à un moment, bah, il faut rattraper tout ça. Il faut d'abord éduquer dès le plus jeune âge, ce que je disais. Et il faut... Alors, je ne veux pas dire le mot adresser parce que c'est un anglicisme, mais il faut adresser plusieurs sujets. Et donc, dans ces sujets-là, c'est embarquer les enfants, les collégiens, les lycéens dans une histoire. Et donc, proposer des outils qui permettent de comprendre ce que c'est la donnée. Avoir une vision de la donnée tabulaire en disant, je vois le fichier, je vais tout comprendre, ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas imaginer ça. Et si on laisse les élèves dans, ou les professeurs d'ailleurs qui expliquent dans cette démarche-là, eh bien on va encore mal parler de la donnée, de la culture de la donnée. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a proposé dans le cadre de notre Open Data, ça on peut peut-être regarder, donc la deuxième slide directement, on a refondu notre Open Data et on a dit, bon, qui en fait consulte notre Open Data? Et on a proposé des outils, je vais le faire très vite, des outils qui permettent de comprendre ce qu'il y a derrière chaque tableau. Et en fait, j'entends la critique de Françoise Thor sur le fait de dire, en fait, c'est compliqué, la culture à donner à l'éducation nationale. Et donc, il y a des problématiques de couvrir ces besoins-là. Oui, ben, bien sûr. Parce que quand on vous entend, on comprend que c'est quand même compliqué d'avoir une définition unique. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que la complexité, c'est la vie. On a travaillé longtemps avec INRIA sur les données de l'éducation, hein, pour arriver à la conclusion qui n'est pas la mienne, qui est celle de Nicolas Roussel, de dire il faut accepter de piloter dans l'incertitude. La donnée, c'est pas tout. La donnée, c'est une partie de ce qui nous représente, je l'avais dit. Et en fin de compte, je vais quand même terminer sur quelque chose d'important pour nous. C'est que, justement, il faut qu'on puisse raconter une histoire et qu'on fasse monter en compétence chaque génération, chaque type d'âge, en disant, voilà ce que tu peux faire avec, voilà ce qui est fait avec tes données, voilà comment on peut travailler. Par exemple, dans l'open data qu'on met en place avec d'autres ministères, eh bien, on essaye de croiser ces jeux de données. Et nous, ce qu'on veut, c'est simple, c'est de dire, vous ne serez pas tous des data scientists ou des scientifiques, mais il faut que vous compreniez dans quel monde vous vivez. Et dans ce cadre-là, on fait des challenges. On va créer un challenge en 2024 qui va, j'espère, permettre de créer des vocations scientifiques ou moins scientifiques, mais en tout cas citoyennes, et notamment, eh ben, qui est le futur créateur de Waze, de Citymapper, de Vidmados. Tout ça, c'est des solutions qui ont été créées par l'open data. Mais derrière, c'est quoi? Ben, c'est comprendre dans quel monde on est, c'est savoir quelle est la pertinence de la donnée, la qualité de la donnée. On n'a pas expliqué cette qualité-là. Et je m'arrête parce que tu veux absolument que je m'arrête. Mais c'est quand même important parce que quelque part, là, on réfléchit à maintenant sur ce qu'on doit faire, même nous, Éducation nationale, on réfléchit pas pour maintenant, on réfléchit pour le comment va évoluer un élève, un citoyen, un salarié ou un PDG dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il faut le préparer. Merci beaucoup. Désolé de te couper. Je voulais laisser la parole à Pauline qui, pour finir cette seconde session sur les défis de la littératie. Comment toi, tu vois la façon de développer? Merci beaucoup. Et merci aussi à tout le monde pour ces efforts de clarification. François, je suis assez d'accord avec toi sur les attracteurs et je pense que du coup, voilà, ça aide aussi à voir un peu et à clarifier. Moi, c'est clair que je me situe plus du côté à ce moment-là de l'éducation aux médias. Je pense que c'est assez net. Cela dit, je pense qu'il y a quand même peut-être un problème d'injonction à il faut qu'on manipule tous des données, il faut que la donnée soit centrale, à laquelle c'est intéressant de se poser la question de comment on veut y répondre et qu'est-ce qu'on veut former comme type de personne en effet, et dans quel but. Donc
Je suis tout à fait aussi d'accord sur la question il me semble très important que les personnes, et notamment les enfants, se ressaisissent de leur histoire et puissent l'écrire eux-mêmes, ça, évidemment. Mais du coup, c'est aussi important de prendre un peu de distance et peut-être de dézoomer par rapport à la question, justement, de la donnée numérique et des réseaux sociaux et du coup, toutes ces problématiques qui sont très actuelles pour, se donner un peu d'air et essayer de voir un peu dans l'histoire comment ça, voilà, s'il n'y a pas déjà eu des choses qui se sont jouées. Et c'est vrai que, j'aime bien cette illustration parce que j'ai cherché du coup travail de la donnée parce que je vous ai dit je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux situations de travail, dans quelles conditions elle est produite, et quand on tape travail de la donnée on tombe sur justement une sorte de photo anhistorique. On dirait qu'elle essaye d'effacer toute la singularité des situations de travail et de proposer une sorte d'archétype complètement lisse. Je vous ai trouvé le pendant féminin, hein, j'ai trouvé les deux, mais elle sourit plus que l'homme quand même, elle a l'air très réjouie par son travail. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi de se demander quels sont les effets qu'on projette dans cet imaginaire-là, des visualisations ou des effets de la donnée. Là, c'est une photo qui m'a fait beaucoup rire. Je passais devant cette Information Management Board où vous voyez qu'il y a deux visus qui ont été produites certainement par Power BI. Personne ne les regarde, personne ne sait ce qu'elles veulent dire, c'est les indicateurs. Voilà, qui sont là à côté de Hello, it's me, coming soon. Enfin, on sent bien que là, il y a un vide un peu intersidéral sur quoi faire de ça. Donc, si tu veux bien passer à la suite, il y a une histoire qui me plaît beaucoup et qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est Vincienne Després qui raconte ça dans son livre Habiter en oiseau, qui raconte comment la discipline scientifique de l'ornithologie s'est en fait transformée du fait d'une pratique d'une femme qui était donc à la maison à l'époque et qui aimait beaucoup regarder les oiseaux et puis qui s'est en fait intéressée à comment est-ce qu'elle pourrait tout d'un coup parler autrement de ce qu'elle voyait et se percevait des oiseaux. Elle se retrouvait pas dans ce qui était dans la discipline et la manière de décrire notamment comment les oiseaux habitent le territoire. Et donc elle s'est mise à baguer, ce qui était une vieille pratique, elle l'a réinstaurée et elle a bagué des oiseaux et elle s'est mise à pouvoir comme ça avoir des trajectoires individuelles d'oiseaux et à complètement revoir plein de principes qui avaient été solidement arrêtés par la science et donc à pouvoir contredire en notamment voyant que là où on voyait des mâles, bien souvent en fait c'était des femelles et en ayant des cycles d'oiseaux qui revenaient et comment est-ce qu'ils revenaient, etc. Tout ça pour dire, si tu peux, qu'une chose qui me paraît intéressante, c'est comment est-ce qu'on outille, en fait, des démarches d'enquête? Donc, avant même de parler de données, c'est comment est-ce qu'on donne envie, comme le dirait Célestin Freinet, il disait, on peut pas donner à boire à un cheval qui n'a pas soif. Bon, en éducation, c'est quand même la base, je crois qu'on la partage tous maintenant, de se dire, bon, comment est-ce qu'on donne envie, quel que soit le niveau de technicité auquel on veut arriver, de se mettre en enquête et de démontrer des choses, de comprendre des choses sur le monde. Et donc, bon, à titre d'exemple, très modestement, nous, on a travaillé à l'atelier des chercheurs sur pas mal de points d'entrée, de comment est-ce qu'on pourrait faire enquête. Je vous ai dit avec des publics assez variés, à tous les âges. Mais donc, ça va de... tu l'as dit, Sarah, de manipulation de données, de sculpture, de transformation avec des matériaux qui, là encore, remettent le corps en action pour comprendre ce que ça fait. Donc, j'aimais bien ce petit jeu sur éprouver la force d'une donnée, qu'ils avaient travaillé avec des élastiques, par exemple. Enfin, voilà, déplacer un peu la manière dont on appréhende les données normalement, par exemple. Mais aussi, et là, je le dis plus du côté des sciences humaines et sociales, par exemple, on ne dit jamais comment est-ce qu'on code nos données. Vous savez, on dit souvent qu'on code des données qualitatives. Et on arrive avec des beaux tableaux qui nous disent la proportion d'un tel thème, etc. Et en fait, on explique bien souvent pas du tout comment on code ces données. Donc, ça peut être un type d'exercice hyper intéressant qui fait peut-être un peu moins peur techniquement, mais qui, en fait, est extrêmement complexe à faire et qui, surtout, nécessite... en fait, ça sera mon dernier point, donc je vais le dire là très vite comme teaser, mais de convenir ensemble avant de mesurer, avant de quantifier sur quoi on est d'accord, comment on négocie le sens, évidemment dans l'exemple des sciences humaines, c'est très parlant, de se dire, ça c'est une classification qui tient la route, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Alors merci beaucoup, donc là on a fait un bon tour en fait des enjeux. Alors on sait tous qu'aujourd'hui, ces données sont produites
déjà massivement, mais ça va encore s'accélérer. On a l'IA qui produit des données, qui exploite les données. Il y a des enjeux colossaux devant nous. Donc, il faut aller encore plus loin et probablement un peu plus vite. Alors, par rapport à ce défi-là, alors je vais vous redonner la parole un petit peu dans le sens différent. Quelles seraient pour vous les pistes et les nouvelles approches pour essayer d'accélérer, en fait, cette appropriation de la maîtrise des données? Alors, on va commencer par Françoise, si tu veux bien. Hop, ça tombe sur toi. Comment aller plus vite, plus loin? Moi, ma grande réponse par rapport à la recherche et au travail de recherche que je fais, ce serait, moi, j'ai envie que ça soit enseigné, quoi. Voilà. Mais c'est pas sur ça que je vais répondre aujourd'hui. Je vais plutôt répondre sur ce qu'on tente de faire avec un moyen très pratique et Pix, quoi. Voilà. À quoi on travaille le plus possible pour que ce soit accessible à tous et toutes et que ça donne envie, etc. Donc, voilà. Ce sur quoi on peut jouer nous, avec les épreuves qu'on propose, c'est les rendre les plus attractif possible. Donc, on a un énorme projet qualité sur ce qu'on offre. On espère que c'est assez ludique. Voilà. Alors ça, le ludisme, tout le monde n'a pas la même approche. Bon, voilà. Donc, on a cette idée-là, faire les choses les plus, et donc être beaucoup dans les savoir-faire pratiques. Faire des petites enquêtes. Donc, on joue sur ces éléments-là. Une autre chose, c'est qu'on essaye de vraiment couvrir de niveaux très novices jusqu'à des niveaux assez expert, et grâce à l'algorithme qui propulse les propositions, on est mené sur un continuum le plus possible, et donc on les pense vraiment, ces épreuves, de façon à ce qu'il y ait un continuum depuis des entrées très simples jusqu'à des choses plus complexes. Et puis un autre truc qu'on a décidé dès le début, c'est que les épreuves soient en mode libre, c'est-à-dire qu'on puisse aller chercher et qu'on puisse aller chercher sur internet les réponses, enfin sur le web plus exactement, pardon, les réponses, et qu'on rencontre d'autres questionnements. Alors des fois, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu Pix, on trouve aussi des fois un peu trop vite la réponse parce qu'elle est spoilée dans les sites, voilà. Mais quand même, on essaye de susciter là ça, et on essaye aussi de pointer vers des tutoriels, vous faites ça super bien dans Culture D aussi. La ressource existe et un peu aller pointer vers des ressources qui existent déjà. Donc voilà, je pense il existe déjà beaucoup de choses, mais comment aider les personnes à s'y repérer? Et ça, je pense qu'il y en a d'autres qui le font même peut-être pour le moment même encore mieux que nous. Et nous, il faut aussi qu'on s'adapte à Pix sur ça. Alors, c'est pas tant une réponse, mais je voulais faire un petit peu de pub pour un projet que nous avons. Nous sommes partenaires d'un groupe de travail, Défi, sur les données pour l'éducation, la formation, l'innovation. Son titre, c'est décrit sur comment développer la littératie des données auprès des enseignants et des élèves. Et donc, Pix est partenaire, en particulier dans un axe où on va travailler à faire un état des lieux sur la base des données que nous avons dans Pix, de passation des épreuves par les élèves. En particulier, on va pointer sur cette fameuse compétence qui s'appelle traiter des données. Et l'objectif va être de voir d'abord combien d'élèves, quels élèves sont du collège au lycée, sont vraiment confrontés à ces épreuves, quels sont leurs résultats. On va essayer de faire parler un petit peu ce qu'on a. Et puis, on va essayer de rencontrer des enseignants et des élèves pour avoir leur représentation sur littératie des données, peut-être plus précisément sur éducation aux données, sur comment ça se passe dans leur classe, et peut-être est-ce qu'ils utilisent ou pas les épreuves de Pix pour cela. Voilà, donc c'est juste pour dire, voilà, c'est pas une réponse directe à quelle solution, mais pour dire que je pense qu'il y a encore de l'information et de la recherche à faire. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole, mais je pense que Philippe, vous pourrez parler peut-être à deux voix. Pour vous aussi, comment accélérer, comment aller plus loin sur l'acculturation? Parce que tu voulais discuter autour des points d'entrée en particulier. Voilà. Alors, je commence. A priori, essayer d'aborder la question des données le plus tôt possible. Nous, on fait de la data avec des gamins de 6 ans. Quand mes collègues ils m'ont dit, vous allez voir, on va faire un truc super, je les ai regardés, genre, mais...
vous revenez de NEC ou bien. Et en fait, ils ont fait un dispositif totalement déconnecté où on trie des cris d'animaux pour comprendre ce qu'est une donnée, le lien avec l'information, etc. Donc, faire de la donnée sans la nommer, puisqu'on a dit avant que parfois ça faisait peur, donc allons-y avant même de la nommer, faisons de la donnée. Et puis, donc vraiment, voilà, le plus tôt possible, dans toutes les circonstances possibles. Et puis aussi, probablement, essayer de rendre cette discipline sexy. Et j'ai mis données, et je vais mettre algorithme et sexy dans la même phrase. Vous avez remarqué la cascade que ça représente. Comment rendre l'algorithmie sexy? Ben, si on prend l'exemple des médias sociaux, c'est facile. On entend beaucoup dire que l'algorithme serait forcément une sorte de perversion intrinsèque de gens qui veulent absolument vous faire voir ou vous faire aimer des trucs que autrement vous n'aimeriez pas. Moi, il y a des algorithmes qui me font découvrir des groupes de musique que je connaissais pas et que j'adore. Enfin, hier, c'est ce que j'en parlais hier avec des gens. Quelqu'un que je connais pas qui me fait découvrir un groupe que j'adore, c'est mon ami. Vous voyez, donc un algorithme peut être mon ami. Exactement. Bah, je like pour lui dire oui, redonne-moi du comme ça. Donc réussir à présenter l'algorithme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte de d'extension, on va dire, des recherches qu'on peut faire, mais qu'on ne peut pas faire en temps réel, et donc qui continue à faire pour nous. Montrer que l'algorithme, alors ça c'est la formule que j'utilise avec les gamins, quand l'algorithme nous envoie des balles et qu'on fait que les recevoir, bon bah on est un peu l'objet de l'algorithme, mais si c'est nous qui lui envoyons des balles pour voir un petit peu ce qui revient avec le rebond. Et ben là, on prend le contrôle d'une certaine façon de l'algorithme, mais il devient ce qui, d'après moi, ce pourquoi il était conçu, c'est-à-dire un outil à notre service, à condition qu'on en comprenne le fonctionnement, qu'on comprend et qu'on connaît les données qui sont utilisées pour le faire fonctionner. Et à partir de là, d'une certaine façon, l'utilisateur devient le maître de l'algorithme, il n'en est plus l'objet. Et je pense que c'est vachement plus valorisant de se dire, je vais apprendre une discipline qui va m'augmenter, plutôt que de juste dire, alors attention, on va vous expliquer comment vous vous faites bananer à longueur de journée. Donc une approche aussi un peu plus positive de cette discipline-là. Bon, je ne peux pas partager tout. Hein. Je suis désolé, mais nous on voit la vérité des algorithmes actuellement, et ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Mais par contre, je vous rejoins, c'est la nécessité de commencer très tôt, d'avoir des initiatives qui permettent de couvrir les besoins en matière de culture de la donnée. Et nous, on a plusieurs actions. Bon, l'open data, comme j'ai pu l'évoquer. On a aussi une action du côté de l'Académie de Rennes, parce qu'on essaye de tester sur des territoires, ce qui s'appelle un projet self-data, qui permet en fait de rendre aux collégiens et aux lycéens ces données, qu'il ait une vision sur ses données. Et il en fait ce qu'il veut. Donc il peut les partager, il peut les conserver, il peut essayer de se comparer avec d'autres. Voilà, c'est une action qui montre en fait qu'il est maître de ses données. Ça, c'est pas fait partout, et c'est ce qu'on veut mettre en place. On a des challenges, parce qu'on veut aussi que ce soit un peu ludique et que ce soit marrant, et qu'on mette un peu de complexité aussi avec des accompagnements de chercheurs et ainsi de suite, d'associations, pour justement la valorisation de la donnée. Et puis on essaye de faire l'acculturation, un maximum d'acculturation, et notamment sur les enjeux auxquels on fait face. Et par exemple, l'intelligence artificielle, les IA génératives. Nous on veut pas. Alors vous voyez, nous on veut pas créer des générations d'ingénieurs de prompts ou d'ingénieurs de requêtes. Ça nous intéresse pas. Mais par contre, ça nous intéresse de bien former les profs, les élèves, sur le fait que ça existe, qu'il faut savoir les utiliser pour que ce soit notre ami. Et on rappelle une petite chose, hein, parce que des intelligences non humaines, ça existe depuis des milliers d'années. C'est les dieux, d'accord ? À qui on parlait avant, ils ne nous répondaient pas sur une interface, mais en réalité, l'intelligence non humaine, ça existe. Dans l'imaginaire humain, ça existait. Donc ce qu'il faut, par contre, parce que nous sommes l'école de la République, c'est que notre école, c'est une école qui fait que on lutte contre le déterminisme social, contre le déterminisme culturel et cultuel, pour créer des... Encore une fois, c'est très important. Il y avait Alfred Sauvy qui disait « bien informé »
Bien informer l'homme, vous en faites un citoyen éclairé. Mal informé, vous en faites un serviteur. Ouais, c'est ce qui nous anime. Hein. C'est-à-dire qu'on veut absolument pouvoir accompagner toutes ces futures générations et même les générations actuelles, parce que les parents aussi ils ont un rôle à jouer dans cette démarche-là, dans la compréhension des technologies. Donc, je reviens. On crée des autres des imaginaires. D'abord, le fait de dire que une IA, une intelligence artificielle non humaine, dans la pensée humaine, ça existe depuis des milliers d'années et ça a été pour plus récemment, c'est dans les années 50-60. Et donc, maintenant, il faut maîtriser parce qu'on a la technologie. La différence, c'est qu'on n'avait pas la technologie. Là, on a la technologie. Et je reviens sur ce qu'a dit François Stort. Elle a dit, il faut pas minimiser, je résume, l'aspect technologique. Nous, vous avez vu qu'on parle beaucoup de politique, d'action, de recherche, le sens, le but. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut donner un sens. Et il faut rappeler la technologie. Et nous, dans notre démarche, et c'est ce qu'on demande aux élèves, et ce qu'on demande aux profs, on ne dit pas, ne vous posez pas la question au moment où vous travaillez sur ces outils-là, de savoir ce qu'ils peuvent vous amener. Posez-vous la question de ce que vous voulez faire aux outils. Et cette démarche, c'est déjà 80% d'une démarche éthique. Alors évidemment, il faut attention à ce qu'on va demander. Mais c'est pour ça que je suis très... je prendrai plus de précautions que toi, Christophe, sur le fait de dire « attention, l'algorithme est mon ami ». Non, l'algorithme, c'est ni ton ami ni mon ami, c'est quelque chose qui a été réalisé sur la base de probabilités avec des biais cognitifs et autres, qui fait que si on ne s'en méfie pas, on est prisonnier. L'algorithme peut se tromper parce que l'humain peut se tromper, c'est l'humain qui a créé l'algorithme. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Alors on donnera à Pauline le mot de la conclusion de cette troisième étape, et donc ça sera Sarah qui va nous dire comment toi tu vois la façon d'accélérer ces outils et ces dispositifs d'acculturation. En fait, une chose qui est beaucoup ressortie de nos différents échanges dans ce projet, c'est comment construire la conviction. Et ça, c'est vraiment un défi parce que on a beaucoup parlé en fait des parcours, de formation, de modules, etc. Mais avant tout ça, comment est-ce qu'on construit la conviction de différents publics qu'ils sont concernés par les données et donc qu'ils doivent s'acculturer aux données en essayant en même temps de dédramatiser. L'idée, c'est pas de leur dire, ben en fait, on va être assujetti aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, etc. Parce que ça peut être effectivement effrayant et ça peut repousser, mais vraiment d'essayer de montrer en fait en quoi on est concerné et surtout comment est-ce que nous on peut s'en saisir et en faire quelque chose d'utile dans notre quotidien. Et par exemple, on avait organisé un atelier citoyen avec le Tuba, parce qu'en fait, quand on parle d'étudiants, d'élèves, etc., c'est un public en fait qui est dans un environnement d'apprentissage, c'est-à-dire on peut leur amener finalement cette acculturation aux données, ces parcours et tout. Mais quand on parle à des citoyens qui sont en fait, qui vont peut-être eux faire la démarche contraire, c'est-à-dire eux faire l'effort de s'acculturer. Comment on construit cette conviction et comment est-ce qu'on les amène à se sentir concernés par ce sujet? Et donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est vraiment identifier quelles sont les priorités en fait des citoyens aujourd'hui. Rien à voir avec les données. D'abord, se dire aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui vous préoccupe au quotidien? Donc il y a plein de choses qui sont ressorties autour de la transition écologique, de la consommation, du pouvoir d'achat, du tri des déchets. Il y a vraiment plein de choses qui sont ressorties. Et en fait, on a essayé d'identifier avec eux comment est-ce que les données peuvent les aider à répondre à ces préoccupations en essayant, pourquoi pas, de croiser de l'open data, du self data, c'est-à-dire des données qu'on peut récupérer, etc. Et donc vraiment, on a essayé de faire un peu cette démarche de se dire, ok, comment est-ce qu'on lit en fait les données comme réponse à nos préoccupations, et à partir de là, essayer peut-être de construire un discours pour justement convaincre
différents publics, mais pour ça, il faudrait effectivement qu'on essaie de le faire avec les citoyens, avec des, avec les agents qui étaient, qui est l'autre public aussi auquel on s'intéressait, et peut-être voilà, essayer de repérer comme ça les différents publics, qu'est-ce qui les préoccupe aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut lier données et préoccupations, et donc finalement les amener à se sentir concernés par ce sujet de la donnée, et donc à faire l'effort d'aller chercher des outils, des parcours d'acculturation. Et aussi, peut-être amener de l'agilité, en fait, dans cette acculturation aux données. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, en quelque sorte, de suivre une formation, un parcours qui va durer, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois, et que c'est figé, il faut le faire à ce moment-là et d'une certaine manière, mais vraiment essayer peut-être d'amener quelque chose qui est modulable, qu'on peut en quelque sorte, dans laquelle on peut aller piocher. Donc c'est pour ça, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment créer un inventaire de ressources et puis se dire ben on les met à disposition, et comme ça en fait les personnes, au gré en quelque sorte de leurs besoins et puis peut-être de leur évolution personnelle, professionnelle, etc., elles peuvent aller piocher et finalement amener quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et qui peut en fait s'étaler sur le temps et avec laquelle les apprenants se sentent à l'aise. En fait, le risque de faire quelque chose de plus rigide, c'est encore une fois de que ça les repousse. En fait, ils se disent j'ai pas le temps, parce que en vrai c'est rarement une priorité pour la majorité d'entre nous, donc on peut pas l'amener comme quelque chose qu'il faut faire là maintenant tout de suite. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on amène finalement de l'agilité dans cette démarche d'acculturation, pour qu'en fait les personnes se sentent tout simplement à la fois convaincues et à l'aise pour s'acculturer aux données, tout simplement. Très bien. On y reviendra. Moi, j'ai des questions à vous poser parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Je voudrais donner la parole à Pauline pour terminer. Alors, tu vas avoir encore la tâche de finir cette troisième séquence. Comment voilà, favoriser l'appropriation de ces outils, ces dispositifs par le public, en fait. Ben, je vais poursuivre un peu avec ce que disait... Oui, c'est une illustration, mais je vais poursuivre avec ce que tu disais un peu, Sarah, et je crois que... Et mettre un peu les pieds dans le plat, peut-être. J'ai l'impression qu'une des questions... Enfin, une des raisons pour lesquelles peut-être ça ne prend pas, c'est que je ne suis pas sûre que... Le récit de « emparez-vous des données, faites des choses avec et vous pourrez agir sur le monde » fonctionne tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même une défiance du fait qu'il y ait un réel effet en fait de produire des données et des preuves, parce que ces preuves ne sont pas toujours écoutées et prises en considération dans les politiques en question. Je peux parler par exemple du réchauffement climatique, j'ai pas besoin de vous convaincre, je crois. Je pense qu'on aurait déjà pris des mesures si c'était le cas, en fait, si les données avaient vraiment... un effet, celui qu'on croit. Donc la question de la posture par rapport à ça, finalement, est-ce que ça ne sert pas que des opportunités de business, mais finalement les opportunités politiques? On nous parle d'evidence-based policymaking, désolé pour l'anglicisme, mais dans ces sphères-là, c'est le terme qui est utilisé. Finalement, on ne sait pas vraiment si c'est réel. Donc moi, c'est la question que je me pose, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles peut-être ça ne prend pas. Et du coup, je pense que c'est intéressant de se poser la question des postures qu'on peut avoir par rapport à la donnée. Est-ce que la bonne posture, c'est de fuir complètement le fait d'être tracé, calculé, etc., et d'essayer de sortir de ce régime du calcul? Je suis pas sûre que ce soit tout à fait satisfaisant. Et puis ceux qui essayent de faire ça, en fait, sont vite rattrapés et c'est souvent assez malheureux. Il y a une autre posture qui est celle du stat-activisme, que vous connaissez peut-être, qui est de dire on va se réapproprier, au contraire, alors on va se réapproprier les outils, les manières de faire, on va vraiment essayer de montrer que c'est possible de faire bouger les choses avec la donnée, donc on met le paquet encore plus. Malheureusement, on a aussi quand même pas mal d'exemples du fait que ça ne marche pas forcément. J'ai un collègue doctorant qui travaille par exemple sur la qualité de l'air et un énorme réseau de capteurs citoyens et donc de sciences citoyennes qui essayent de montrer que la qualité de l'air est problématique et que ça a des répercussions sur leur santé. En fait, et c'est un peu la conclusion malheureuse de son travail, c'est qu'il montre que finalement une attestation du médecin vaut beaucoup plus devant le juge que n'importe quel autre jeu de données qui ne sera pas opposable. En fait, je vais Donc voilà, on se retrouve un peu tiraillé face à ça. Et donc, c'est là où je reviens à la promesse de tout à l'heure, de se dire, est-ce que si on suit, donc par exemple Alain Desrosières, que j'aime beaucoup, si vous le connaissez pas et que vous êtes intéressé par ces questions, il a posé vraiment des choses intéressantes. Il était chercheur à l'INSEE
Et donc la question statistique et la question de l'effet des données le concernait au premier plan. Et donc il avait cette formule, quantifier, c'est donc convenir plus mesurer. Je ne le dirai jamais assez, je crois. Mais donc se demander comment est-ce qu'on forme aussi au convenir. Donc on éduque aussi au convenir ensemble à la négociation. À ne pas se détourner des enjeux politiques et des problèmes publics, en fait, et de partir peut-être de ces problèmes publics pour amener les élèves à se questionner, à récolter de la donnée, à la traiter, évidemment, mais en inversant un peu l'ordre des priorités et en essayant, avec eux, peut-être, de les emmener dans des instances où ça compte et comment ça compte. Voilà. Super. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de questions, mais je pense que la première des politesses, c'est de donner la parole à vous qui êtes présents, qui avez écouté ces interventions. Si vous avez des suggestions, des propositions, des questions, la parole est à vous. Alors, c'est un expert aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, merci pour la référence à Stataktivist. Je suis le cofondateur d'une coopérative qui s'appelle Dataktivist. Donc, on y est très sensible et le convenir puis mesurer le leitmotiv de nos formations à la culture de la donnée. Donc, on partage tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec la recommandation finale de... C'est vrai que souvent dans la culture de la donnée, on pense au mesurer, moins au convenir, et je pense que c'est au moins aussi important. Néanmoins, j'avais une question. Vous êtes tous et toutes intervenus pour expliquer pourquoi l'acculturation à la donnée aujourd'hui, ça ne marche pas. La question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on a des éléments d'objectivation de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, parce que je vous ai trouvé quand même très négatif dans votre point de départ, dans votre hypothèse de départ, et en fait je ne sais pas si on a des éléments d'objectivation. Alors, peut-être que côté PIC s'il y en a, je ne sais pas, mais en fait comment améliorer la culture de la donnée si on n'a pas des éléments pour d'abord convenir de qu'est-ce que c'est que la culture de la donnée et ensuite comment on la mesure. Je vais répondre, mais on va tous répondre, je pense, parce qu'on a tous un avis. On n'a pas de données pour te répondre, en fait. C'est ça le problème. C'est que parmi les programmes qui sont de lancement scolaire, on a évidemment, on sait qu'il y a une partie qui est donc enseignée par les professeurs, mais on n'a pas de retour. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que justement, les choses qu'on met en place, on les met en place depuis quelques années, et on n'a pas assez d'éléments pour t'expliquer pourquoi. Je le tutoie parce qu'on se connaît par ailleurs. On n'a pas de d'éléments probants et en tout cas avec un seuil, comment dire, de données qui nous permet vraiment d'avoir une vision. Enfin, j'ai une. Donc, quand on n'a pas d'informations claires et objectives, donc on a une intime conviction. Quand on a une intime conviction, c'est qu'on ne sait pas. Mais on subodore. D'abord parce que, en fait, et ça a été bien dit par Pauline, on doit couvrir plusieurs besoins, en réalité. Parce que, en fait, dire on va s'adresser à tel type de population ou à tel comportement, c'est une chose. Mais la réalité, c'est que nous, on gère chaque année 13 millions d'élèves. Et on explique que les 13 millions d'élèves, c'est pas toujours les mêmes. Donc, l'intelligence artificielle fait que, en réalité, on peut s'interroger sur quelle est notre part d'humanité et notre part d'automatisme dans notre vie réelle. Mais on doit donc comprendre la personne et ses envies. Il y en a qui vont vouloir... Quand on leur dit, mais tu sais, tu exposes ta vie privée, mais ils veulent exposer leur vie privée. Il ne faut pas généraliser. Mais il y en a qui veulent exposer. Donc, il y en a qui ne veulent pas exposer. Et donc, l'idée, c'est de dire, on accompagne l'ensemble de ce type de profil, de ces personas, dans l'utilisation des outils. Donc, on a parlé beaucoup d'éducation aux médias, à l'information. Ça, on a plus de retours, parce que ça, c'est beaucoup mieux maîtrisé par des structures comme le réseau Canopé, le CLEMI et l'éducation nationale. Ça, on a des stats. Mais sur la culture de la donnée elle-même, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas parce qu'on n'a pas d'informations sur ce qui pourrait marcher ou ce qui marche pas parce qu'on le constate, qu'on ne doit pas agir.
Et donc voilà, donc ça c'est, et le fait d'agir, bah, ça nous permet d'avoir de plus en plus d'informations et d'améliorer notre accompagnement qui sera personnalisé quelque part. Merci Florence. Je vais essayer d'être courte, mais en fait c'est, moi je suis un peu côté éducation, donc ça va aller peut-être dans de ce côté-là, et je pense qu'il y aura des éléments d'objectivation. J'essaye là de réfléchir un peu qu'est-ce que je connais, qu'on a fait. Alors pour ce qui est de PIX, là pour le moment on a plein de données, on nous demande d'aller vers des propositions, d'être observatoire des compétences, mais c'est la décision publique hein, qui nous fait ces demandes. Et en fait, c'est assez compliqué parce que la façon dont PIX est déployé, influence énormément ce qui s'y passe. Et donc, arrivons-nous à être arrivons-nous à une mesure objective? Non, elle est ancrée dans le social et le comment les jeunes se passe et les moins jeunes, d'ailleurs on a encore moins d'informations. Élément d'objectivation, je peux parler d'un truc qui peut-être va vous paraître n'avoir rien à voir, mais j'étais en train de regarder les dates. En 2004-2007, de 2004 à 2007, j'ai participé à un projet ANR à l'époque qui était, c'était mon début dans les sciences de l'éducation. Je venais de l'intelligence artificielle, moi, à l'origine, c'est mon début. Et en fait, moi, mon problème, c'était, j'adore le tableur. Je trouve qu'on fait des trucs super avec. Il paraît qu'on l'enseigne à l'école. Je vais aller voir ce qui se fait. Et on a fait 10 datables. C'est une ANR, ça a duré 3 ans. On a fait de la recherche. J'ai passé des heures à les regarder, à étudier des écrans d'élèves à qui on avait fait. Donc on avait une banque d'exos sur le tableur. On est allé et tout. C'était hyper technique comme approche. C'était pas du tout éducation média à l'époque. Hein. On était encore très technique. Qu'est-ce qu'ils savent faire? C'était enseigné, c'était au programme, bien plus que ça n'y est aujourd'hui. Le mot tableur figurait dans certains programmes de maths, bien plus, alors qu'aujourd'hui, il n'y est plus hein, du tout en tant que tel. Il y a d'autres choses en SNT, mais bon. Eh ben, on s'est rendu compte que en fait, ils comprenaient rien à l'outil, quoi. Ils faisaient des trucs, c'était fou, quoi. Ils écrivaient des formules encore en clic-bouton. Les enseignants n'y voyaient qu'une espèce d'outil A qui n'était pas vraiment intégré dans leur démarche de enseignants de maths ou de enseignants de techno. Alors c'était plus fait en STG à l'époque, c'était formation à la gestion. Là, vous voyez. Donc il n'y avait pas tellement de. On avait un outil. On était axé technologie, fonctionnalité de l'outil, il n'y avait pas de mise en perspective. Et résultat, non seulement ils comprenaient même pas trop les fonctionnalités de l'outil, mais l'intérêt et les besoins auxquels ça répondait moins. Donc là, 2004-2007, si ça vous, voilà, on a tenté d'objectiver des mesures, et en fait, l'objectivation était plutôt en termes d'enquête, de rencontres, c'est assez quali, comme approche. Voilà. Moi, je suis restée sur ma faim. Et depuis 2007, je suis toujours sur ma faim par rapport à ces questions. Donc là, j'espère qu'avec le GTNUM défi, sur notre axe, on va pouvoir faire parler les données que PIX a sur ces questions plus. Voilà. Ministère de l'Éducation nationale. Pauline, tu vas être plus optimiste que. pour répondre à Joël. Pour garder la diversité du panel, même si voilà, de votre situation, c'est. Des éléments intéressants. Moi, je vais parler depuis l'ONU, du coup, là où j'ai été embauchée justement pour accompagner le changement de pratique. Le titre n'était pas très clair, mais voilà, imaginer des formes de travail autour de la donnée. Et moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt un changement d'une culture de l'information à une autre. Donc, je dirais pas qu'il y a. Là, je trouve votre question intéressante. Je suis pas sûre qu'il y avait pas de culture à la donnée et qu'aujourd'hui il y en a une. Il y a plutôt le remplacement d'une certaine organisation par rapport à l'information par une autre et qui était alors plus hiérarchique, par exemple, qui passait énormément par le terrain. Donc, il y avait dans les enjeux compliqués, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui discutés, c'est quelle est la circulation de l'information, comment elle remonte du terrain. Avec quel contrôle sur la vérification de cette donnée terrain? Est-ce qu'on lui fait confiance, pas confiance? Et je pense que c'est ces questions-là qui sont extrêmement en jeu, qui sont toujours en jeu là aujourd'hui, et revisitées avec alors une culture de l'horizontalité, du coup de la transparence. Et quand on ouvre, qu'est-ce que ça fait surtout à une institution pour laquelle le secret est important ou c'est ça qui donne du pouvoir? Donc on sent bien que c'est plutôt ces questions-là, moi, que j'ai trouvé étaient au travail. Mais pas enfin du coup un peu moins avec ses compétences, mais je pense que c'est des éléments quand même à considérer aussi dans
comment ça transforme les organisations. Alors, tu voulais dire quelque chose, Sarah ? En fait, je voulais répondre en disant que du côté en fait du public avec lequel on travaille côté Open Data France, à savoir les agents des collectivités territoriales, on n'a pas non plus de statistiques sur combien, par exemple, sont acculturés à la donnée ou pas. Toutefois, ce qui nous fait penser que c'est pas encore tout à fait le cas, c'est le besoin fort qui est remonté pour accompagner, pour sensibiliser, pour former. Donc très souvent, ce sont nos interlocuteurs qui sont effectivement chargés de gouvernance de la données ou de projets data, open data, etc., qui en fait nous demandent de les accompagner dans la sensibilisation de leurs collègues qui sont plutôt dans des directions métiers. Donc voilà, pas nécessairement de statistiques, mais voilà, c'est plutôt cette intime conviction, on va dire, qui nous est... Je complète par rapport à ce qu'a dit Sarah et François et Pauline, c'est que moi, nous, on compte beaucoup sur le travail sur ce que fait Françoise et Pix sur les données de Pix. Du coup, on va mettre en open data un maximum de données de Pix pour que ce soit partagé et que vous puissiez travailler dessus. Voilà. C'est important de le signaler. Alors, juste, je te donne la parole, mais le choix qu'on a fait de cette table ronde, c'était de dire, bon, tout le monde parle de la data literacy, on peut tous se flatter de tout ce qu'on fait. Et on s'est dit, bon, on peut aussi, on est assez grand, c'est indigent, pour se challenger en disant, OK, bon, ce serait quoi un peu l'effort? Donc, on voulait pas être pessimiste, et c'est un peu dommage qu'on donne cette impression-là, mais voilà, on voulait... Alors, il faut quand même rappeler que, quand même, depuis 5 ans, sur le sujet de la data, il y a plein de dispositifs de formation. Vous le faites d'activiste, Civitéo a formé des milliers d'élus dans le cadre de programmes, on a eu des vidéos, des MOOC, des webinaires. Donc les ressources, le travail, il est quand même colossal. Et donc l'impact, il est vraiment fort. Effectivement, on ne sait pas le mesurer, et ça, probablement qu'il faudra le corriger si on veut être légitime sur le sujet. Alors, je te passe la parole. Merci. Bonjour, c'est une question pour Philippe Ajuelos. Vous avez dit on ne peut pas être simpliste, il faut rentrer dans la science et la technologie. Vous avez dit les algorithmes, c'est mathématique. Et là, j'ai l'impression qu'on a une autre simplification, hein, parce que certes, les algos peuvent prendre des formalismes mathématiques, exécuter des opérations mathématiques, mais il me semble qu'on apprend à l'école qu'une recette de cuisine est un algorithme. Donc, il faut savoir. Voilà, donc je veux bien votre réaction là-dessus. C'est... Alors, donc, je pense que je vais être aidé par les chercheuses autour de moi. En fait, on a 1h30 pour passer un maximum de messages. Voilà. Donc, si on pourra se voir après sur ce que c'est un algorithme et comment on peut ce qu'on y met dedans. Pour moi, par exemple, la recette de cuisine, c'est pas un algorithme parce qu'il y a pas de choix en fait. C'est une recette. Un algorithme, au moins, ça gère des informations en entrée et des éléments en sortie. Voilà. Donc, par contre, l'humain qui fait la recette de cuisine, lui, développe des algorithmes intellectuels qui fait, je vais pas mettre autant de sel. Donc c'est, puis je vais pas laisser, c'est pas assez cuit, c'est trop cuit. Ça, c'est aussi une branche de l'algorithme. Et puis en plus, il y a des éléments, et notamment sur l'IA, qui complexifient la démarche algorithmique. L'IA, ça va du système expert, hein, en fait, ce que vous expliquez, au réseau neuronaux. Simpliste, c'est qu'on a utilisé des termes pour exprimer quelque chose. Celui qui avait créé la notion d'intelligence artificielle, il savait que c'était pas une intelligence, mais il l'a fait en intelligence artificielle parce qu'il voulait absolument récupérer une bourse. En fait, il a dit si je fais ça, je vais faire jackpot, et c'est ce qui a marché, d'accord. Et même si on est dans l'imitation, d'ailleurs, Turing disait le fait d'imiter, c'est déjà une intelligence. Donc, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous prenez un point, et c'est important parce que ce point-là que vous évoquez dans la classe, dans la relation avec les cadres du ministère,
Eh ben, c'est des incompréhensions. Il faut toujours revenir sur la définition ou sur les définitions. C'est ça que je voulais dire, surtout. Mais c'est intéressant parce que, justement, à chaque niveau de compréhension de l'élève, on dit qu'il faut adapter le champ lexical. En fait, il faut trouver les bons mots au bon moment, à la bonne, devant la bonne personne. Et en fin de compte, notre champ lexical et notre compréhension de la réalité, elle doit être adaptée par rapport au public qu'on adresse. Par exemple, il y a un autre élément, j'en profite, je suis désolé, je suis bavard, mais nous, on a vocation à, encore une fois, à gérer des personnes qui vont être totalement éloignées du numérique toute leur vie, même si elles vont être utilisatrices, mais elles vont pas s'intéresser, et d'autres qui vont vouloir vraiment s'engager dans des démarches de compréhension. Une des démarches qu'on fait, nous, c'est de mettre, d'abord de publier nos codes sources, nos algorithmes, pour dire, voilà, on est transparent, parce que la première chose, tu vois, par exemple, le juge, s'il savait d'où venaient les données, comment elles étaient collectées, qui les prenait, et il donnerait peut-être la même valeur juridique que l'attestation du médecin. Parce que tu vois ce que je veux te dire? Et c'est aussi quelque chose dans la compréhension de la réalité de la donnée. Mais nous-mêmes, on faut qu'on s'interroge sur la réalité de la donnée. Par exemple, quand on a des données des résultats d'élèves, est-ce qu'on sait que si l'examen a été passé le matin, ou le petit était fatigué, ou la petite était malade, est-ce que c'était après l'après-midi, après avoir bien mangé de façon somnolence? Tu vois, c'est aussi la collecte et le contexte de collecte de la donnée, c'est un élément qu'on n'avait pas du tout étudié à un moment. Et là, on l'étudie un peu plus. Donc, tout ça, par exemple, donc, ce que je veux en venir, c'est que on veut, par exemple, publier nos données, évidemment, en open data, publier nos codes sources, on le fait déjà avec Mimlib, ça a été cité hier, et puis développer des communs numériques, puisqu'on est quand même en numérique en commun, où on aura du logiciel libre, des éléments de transparence, et par exemple, nos réseaux sociaux, ils iront forcément dans les autres réseaux sociaux, mais si on donne des alternatives, ou au moins, on leur dit, ça, avec ça, on par exemple, comme Mastodon, on sera pas, ce sera des données qui seront protégées, qui vont pas être utilisées pour autre chose de ce que vous avez indiqué, même si vous cochez, vous faites ce que vous voulez avec mes données. Tu vois, c'est leur dire qu'ils seront peut-être plus exigeants quand ils utiliseront des réseaux sociaux qui ne seront pas ceux qu'on met à disposition. Ouais. Ça sera notre dernier mot. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup de votre participation. Alors, on est encore à votre disposition. Je sais qu'il y a encore d'autres questions, donc on est là pour y répondre. Merci beaucoup. Je suis très content de toutes vos propositions. Il y a plein de projets. J'espère qu'ils vont réussir. Et l'année prochaine, quand on se retrouvera, on verra quand et où, mais on aura l'occasion peut-être de reparler de la littératie et mesurer le travail qui a été fait. Merci à tous et à votre disposition.